La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Merci. Première question aujourd'hui au Premier ministre. Les héros de la santé, nos PME qui essaient de s'en sortir, les parents qui essaient d'envoyer leurs enfants à l'école continuent à devoir passer à travers le harcèlement des gens anti-vaccins. Est-ce que le Premier ministre cessera de dire non et adoptera enfin une loi aujourd'hui pour amener des zones de protection? La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. On apprécie tous et qu'on comprend qu'on est déçu lorsque les gens choisissent de manifester devant nos installations de santé. J'aimerais être clair, mais ça ne se produit pas beaucoup en Ontario. Et actuellement, les forces policières ont la capacité d'intervenir lorsque nécessaire. Et ici, c'est le cas lorsqu'on fait face à de l'intimidation ou du harcèlement. On veut s'assurer de ne pas avoir des situations où les travailleurs de la santé et les gens qui essaient d'avoir accès à notre système sont à risque en raison de manifestations, mais actuellement, dans la province de l'Ontario, il y a des possibilités pour que la police agisse lorsque c'est nécessaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le Premier ministre s'est fait demander plusieurs fois d'envoyer l'armée, s'est fait forcer plutôt à demander l'aide des militaires pour aider dans les foyers de soins de longue durée. Ça a été la même histoire lorsqu'on a voulu un certificat de vaccination et ça a été la même chose lorsqu'on a parlé d'utiliser des tests rapides dans les écoles. On a mis en place ces mesures plusieurs semaines après ces demandes. Donc, est-ce que le Premier ministre agira? Est-ce qu'il cessera de dire non, fera la chose appropriée et mettra en place des zones de sécurité autour des écoles et hôpitaux? Et dès aujourd'hui, la solliciteur générale, c'est important que les gens apprécient, reconnaissent plutôt qu'il y a déjà des outils dans la province de l'Ontario. Sous le code criminel, les forces policières ont les outils nécessaires pour intervenir dans différentes situations, entre autres la négligence criminelle ou les interruptions qui se produisent. Et donc, lorsqu'on voit des gens qui manifestent, on veut que ces gens viennent ici à Queen's Park, à l'Assemblée. Toutefois, c'est aussi important de comprendre que les travailleurs de la santé sont protégés sous les lois qui existent et les outils qui existent déjà pour les forces policières en Ontario. Je sais que notre leadership en matière de santé veut conserver leur personnel et leurs patients et assurer leur sécurité. Nous le ferons avec les outils qui existent déjà. Complémentaire final. Les Ontariens n'ont assez des hésitations du Premier ministre. Il hésite à s'attaquer aux anti-vaccins et il ne fait rien pour protéger nos héros de la santé, nos patients en oncologie qui essaient d'avoir accès aux hôpitaux, nos parents qui essaient simplement de laisser leurs enfants à l'école, qui se font crier dessus, les propriétaires de PME, leurs clients. Les propriétaires de PME essaient de garder les portes ouvertes et les consommateurs essaient d'encourager ces PME, mais ils sont ciblés et harcelés par ces foules. Le Premier ministre doit faire la chose appropriée et adopter la loi pour des zones de sécurité que j'ai déposée l'autre jour afin que les Ontariens puissent apprécier les activités qui se présentent à eux. Les Ontariens qui ont fait la chose appropriée, qui se sont fait vacciner, qui ont respecté les mesures en place, ce sont eux qui ont besoin d'avoir l'attention du Premier ministre et qui demandent au Premier ministre de dire oui à cette loi. And the Solicitor General. Solliciteur général, merci. J'apprécie. Ici, je comprends que la députée essaie de créer un plus gros problème qui existe. J'aimerais rappeler à tous qu'actuellement, dans la province de l'Ontario,
L'intimidation n'est pas permise. Nous avons les outils. Les forces policières ont les outils pour mettre en place, pour appliquer la loi plutôt et s'assurer que les travailleurs de la santé soient en sécurité. Je n'aime pas voir des manifestations devant nos hôpitaux, devant nos écoles. Toutefois, il faut aussi comprendre que les gens ont le droit de partager leur opinion. J'aimerais mieux qu'ils le fassent ici, à Queen's Park. Cela étant dit, lorsqu'il y a de l'intimidation devant nos écoles, devant nos hôpitaux, les forces policières ont la capacité d'agir et je sais que les dirigeants du milieu hospitalier s'assureront que la loi est respectée. La chef de l'opposition, prochaine question, au premier ministre. Mais il est clair que ce gouvernement peut agir ici sur le problème que l'on voit qui se produit dans beaucoup trop de milieux. J'ai une question ici sur les 35 jours depuis que les aînés et les enfants dans notre province se sont vus retirer l'accès aux soins oculaires. Il y a des enfants qui vont à l'école qui ont de la difficulté à voir le tableau. Il y a des aînés qui ne sont pas en mesure de renouveler leur permis de conduire. Ils sont donc moins mobiles, moins indépendants parce que ces aînés ne sont pas en mesure de faire renouveler leur prescription. Mais le gouvernement ne fait rien. J'ai parlé à Beverly Murray, une mère dont la fille adolescente souffre littéralement de douleurs aux yeux, de migraines, et elle est incapable d'obtenir un rendez-vous pour sa fille pour qu'elle se fasse examiner les yeux. Ma question, c'est pourquoi est-ce que le premier ministre dit non? Pourquoi est-ce qu'il refuse d'avoir un bon marché, une bonne entente et de permettre d'offrir de nouveau les soins oculaires nécessaires à nos enfants et nos aînés? La ministre de la Santé. Merci. J'aimerais dire à la chef de l'opposition que les services d'assurance santé sont toujours financés par la province de l'Ontario. Toutefois, les optométristes de la province, sous la pression de leur association, ont décidé de ne pas fournir ces services. On est très déçus. Nous avons engagé la discussion avec eux. On continue de le faire, mais le problème, c'est que l'Association des optométristes de l'Ontario refuse de revenir à la table de médiation. Et nous sommes prêts à retourner à la table afin de discuter avec les optométristes, mais ce n'est pas une chose que veut faire l'association et c'est inquiétant, tout particulièrement lorsqu'on continue à dire à la population que l'association attend simplement que nous revenions à la table de médiation alors que ce n'est pas le cas. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes prêts à retourner à la médiation avec l'Association ontarienne des optométristes, mais c'est eux qui ne refusent de le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est intéressant de voir ce qui se passe ici en Ontario. Premièrement, les libéraux ont retiré les services de soins oculaires permettant aux aînés et aux jeunes, aux enfants d'y aller, mais ont sous-financé ces services pendant plusieurs années. Et maintenant, ce premier ministre rend les choses encore pires en refusant de se rendre à la table de négociation pour négocier une entente appropriée et de bien financer les services oculaires. Oui, je vous le donne, les libéraux n'ont pas agi pendant des années, mais les choses se sont empirées sous ce gouvernement. Et ce n'est pas une bonne façon d'aller de l'avant et de gouverner. Ce gouvernement doit être clair et sérieux pour avoir une entente juste. Ma question, c'est pourquoi est-ce que le premier ministre continue de dire oui à ses amis, à ses amis promoteurs aux grandes surfaces, mais il dit non lorsqu'on parle de fournir les services de la vue essentiels pour nos enfants et nos aînés? La ministre de la Santé, j'apprécie d'avoir l'occasion d'aider les gens à comprendre la situation actuelle. La situation, c'est que les optométristes ont refusé de revenir en médiation. Et les optométristes choisissent le résultat avant même les négociations. J'apprécie aussi d'avoir la chance de dire ce qui se passe exactement. Nous avons donné 39 millions de dollars aux optométristes qui fournissent ces services.
Pour couvrir ce qui s'est passé de par le passé, je suis d'accord que les optométristes n'ont pas été traités de façon juste par les gouvernements précédents, mais nous payons 39 millions de dollars pour reconnaître ce fait. C'est le même taux qui aurait été reçu par les médecins lorsque leur accord a pris fin en 2011. Voilà la façon dont on a calculé ce 39 millions de dollars. Nous avons aussi offert une augmentation de frais de 8,4 % rétroactif pour 2021 et de nous engager dans des négociations avec les optométristes sur leurs différents coûts parce qu'on a la responsabilité de le faire alors qu'on essaie d'aller de l'avant. Merci. Complémentaire final. Le gouvernement a la responsabilité de négocier, non pas de dicter les choses aux gens. Est-ce que le gouvernement ne le comprend pas encore? Ce gouvernement dit oui aux amis du premier ministre, mais le premier ministre dit non aux élèves, parents et enseignants au printemps dernier. Il a dit non aux résidents de foyers de soins de longue durée l'été dernier, alors qu'on avait besoin de leur aide. Et on le voit encore aujourd'hui, alors qu'on dit non à nos enfants et nos aînés qui ont besoin de soins de la vue et les méritent ici dans la province. Donc, ma question au premier ministre, c'est... est-ce qu'il va enfin dire oui et revenir à la table de négociation et offrir un bon financement et s'engager à négocier une bonne entente pour que nos enfants et nos aînés puissent obtenir les soins nécessaires en termes de soins oculaires? La ministre de la Santé, oui, nous voulons revenir en médiation, mais on ne peut pas négocier lorsqu'on est le seul parti à la table. Nous l'avons dit, nous sommes prêts à aller de l'avant avec les négociations. Il y a des inquiétudes valables. On veut les aider à gérer leurs coûts, l'augmentation des patients et d'avoir des discussions mensuelles avec eux. Ce n'est pas ce qui est fait avec tous les groupes de travailleurs de la santé, mais nous voulons avoir une entente avec les optométristes. Toutefois, ils doivent revenir à la table. Nous avons accédé aux demandes du médiateur. Mais les conditions ne sont pas les nôtres, ce sont celles du médiateur. Donc, on demande aux optométristes de revenir à la table pour qu'on puisse conclure une entente, mais on ne peut pas le faire seul. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les exemptions médicales pour le vaccin sont très rares. Le Dr Moore a dit qu'environ une personne sur cinq sur 100 000 personnes pourrait avoir une exemption médicale. Toutefois, deux députés conservateurs ont de telles exemptions. C'est curieux sur le plan statistique que deux députés sur 70 aient reçu ces exemptions. Le Dr Moore dit que ça doit être très rare et que ces exemptions devront être étudiées à l'échelle de la province. Ma question, c'est est-ce que le premier ministre peut expliquer cette difficulté mathématique dans son propre groupe parlementaire? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas exactement ce que ça a à voir avec les travaux du gouvernement, Monsieur le Président, mais nous voulons agir pour nous assurer que tous les députés de notre groupe parlementaire soient vaccinés, de nous assurer que ceux qui n'ont pas reçu leurs deux doses aient une exemption médicale. Et évidemment, ces exemptions sont fournies par les professionnels médicaux. Et on doit croire que ces exemptions ont été offertes selon les recommandations du médecin hygiéniste en chef. Complémentaire. Merci. Les Ontariens devraient se faire vacciner à moins qu'il y ait une exemption médicale claire. Et comme le Dr Moore l'a mentionné, ces exemptions sont très rares. Nous avons appris qu'un des députés conservateurs, ancienne adjointe parlementaire au procureur général, a avoué qu'elle n'avait pas été vaccinée alors qu'elle avait dit qu'elle était vaccinée. Est-ce que le premier ministre demandera de revoir ces exemptions médicales ou est-ce qu'il va simplement croire ses députés sur parole? Le premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie aux Ontariens et aux travailleurs de la santé, car nous avons 22 millions de personnes vaccinées en Ontario.
Nous sommes à un chef de file mondial avec 82 % des Ontariens qui sont entièrement vaccinés, 87 % qui ont une première dose. Les néo-démocrates devraient reconnaître qu'étant donné sa propre position qui évolue à chaque jour selon le vent du jour, c'est ce qui se passe. C'est ironique aussi que les libéraux, qui n'ont que 7 députés, ne peuvent toujours pas comprendre qui est vacciné ou non. Nous, on a été transparents, Monsieur le Président, sur les députés qui avaient une exemption médicale. On ne s'implique pas dans les histoires médicales des gens, mais nous avons été transparents. Et franchement, il faut avoir du front, puisque les néo-démocrates ne sont pas en mesure de nous dire qui est vacciné et qui ne l'est pas. La prochaine question. Merci. Et bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Tout d'abord, j'aimerais féliciter mon collègue. Les Ontariens ont de la chance. Ils ont des députés qui travaillent fort. Le portefeuille du gouvernement est bon. Nous allons travailler au service des Ontariens. Monsieur le Président, notre gouvernement continue à gouverner le pays et à parler des énergies propres. Nous parlons d'hydrogène, par exemple. Le ministère a donné des détails concernant la stratégie de réduction du carbone. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers députés, pour votre question. En effet, nous voulons diminuer nos émissions. Nous faisons cela grâce au leadership de ce gouvernement. Nous voulons prendre des émissions de 3 000 voitures et les enlever de la route. Nous voulons travailler sur les autoroutes. Nous voulons des projets inédits. Des familles passent beaucoup plus de temps avec leur famille dans certaines régions. Merci au Premier ministre, au ministre du Développement économique. Nous avons vu des progrès. 6 milliards de dollars ont été investis grâce à leur travail. Monsieur le Président, je suis très enthousiaste par rapport à l'hydrogène qui représente un potentiel incroyable. Ontario est un des chefs de file au Canada concernant sa stratégie. Nous finalisons sa stratégie et je suis sûr que l'Ontario sera une des premières provinces à aller dans l'espace. Nous continuerons d'être un leader au Canada. Merci, Monsieur le Président. Supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci, cher ministre, pour cette explication. L'hydrogène semble être un élément clé du gouvernement pour les énergies propres. Mais les Ontariens ne sont pas familiers avec ce genre de concept. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer où est-ce que le gouvernement compte explorer l'application de l'hydrogène dans certains domaines? Réponse. Merci encore une fois à la députée pour sa question. Il y a tellement de moyens qu'on pourrait utiliser, qui pourraient nous aider à utiliser le carbone. Par exemple, pour nos entreprises ou même pour nos maisons. Les entreprises pourraient les utiliser pour remplacer les énergies fossiles, par exemple dans la production de ciment ou d'acier. On pourrait émettre moins de carbone. La majorité des émissions proviennent de cette industrie. Et j'aimerais saluer les personnes qui sont allées voir des leaders. Notre gouvernement continuera de se battre contre le réchauffement climatique. Nous voulons bâtir un Ontario avec des solutions écologiques qui prospèrent. Merci. Question suivante, la députée de Rosedale University. Merci. Ma question va au ministre de l'Éducation. Le gouvernement a promis d'investir dans les soins à l'enfance, mais ça n'a pas été le cas. Beaucoup de parents en Ontario paient des frais les plus élevés au Canada, jusqu'à 20 000 $ par année. Les soins de garderie sont tellement chers que certaines femmes doivent travailler à temps plein car elles n'ont pas le choix.
Ce gouvernement s'est engagé envers la condition féminine. Nous avons besoin de donner à la population de l'accès aux services à l'enfance. Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider les parents qui vivent en Ontario? Le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette question, cher député. Ça fait 15 ans que notre qu'en Ontario, il y a eu plutôt 40% dans l'augmentation de ce genre de frais, et c'est inacceptable. Ces frais sont beaucoup trop élevés pour la plupart des familles. Et c'est pour cela que la première action que nous avons posée était de donner de l'argent directement aux parents de ces familles, car ils sont les meilleures personnes à prendre des décisions concernant leurs enfants. Et nous avons parlé de cela lors de notre dernier budget. Nous voulons trouver une bonne entente pour les Ontariens. Nous sommes la seule province qui finance les services de garderie. Réponse. Nous voulons des négociations qui vont aider les familles. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je repose encore une question au ministre de l'Éducation. Ces enfants ont des difficultés à cause de cette pandémie. Beaucoup de parents ont perdu leur emploi et décident de rester à la maison. En plus de cela, les frais sont assez élevés. Nous avons besoin de plus de personnel dans nos services de garderie pour appliquer la surveillance et pour garantir la sécurité des enfants. Beaucoup de centres risquent de fermer. Beaucoup ont dû diminuer les horaires de leurs employés. Il y a trop de difficultés alors que ça ne devrait pas être le cas. Il faudrait que chaque parent ait accès à des services à l'enfance sans frais, ou au moins qui sont abordables. Réponse. 99,6% des Ontariens sont ouverts. Nous avons financé ces centres afin qu'ils puissent rester ouverts et pour que les parents puissent continuer à travailler. Nous investissons tout milliard de dollars pour s'assurer de la qualité de ce genre de service. C'est un engagement que nous avons fait envers les écoles et nous voulons étendre l'accès à ce genre de service pour rendre la vie beaucoup plus abordable. Nous voulons offrir de l'argent directement aux parents pour qu'ils puissent mieux s'occuper de leurs enfants et cela fera la différence. Nous travaillons de concert avec le gouvernement fédéral pour avoir une bonne entente pour rendre les services à l'enfance beaucoup plus accessibles, plus abordables dans toutes les régions de l'Ontario. Question suivante, le député d'Ottawa. Ma question s'adresse au Premier ministre. John est à 60 ans et quelques, il a des cataractes. Il se préoccupe beaucoup de sa santé et de ses soins de sa vue. Beaucoup d'électeurs ont donné leur avis. J'ai reçu beaucoup de messages de parents qui parlent de leurs difficultés à garder leurs enfants à la maison, à les éduquer, tout en restant en sécurité. Ils ne peuvent pas repartir à l'école, ils ne peuvent même pas se soumettre à des examens de la vue. Certains enfants n'arrivent même pas à voir les tableaux intelligents. Tout cela à cause de la COVID. Cela fait environ un mois qu'on ne peut pas avoir accès aux soins de la vue. Il y a tellement de problèmes auxquels le gouvernement fait face, mais ils attendent toujours la dernière minute avant de répondre, alors que c'est déjà le chaos. Alors, Monsieur le ministre, ma question au Premier ministre est la suivante. Quand est-ce que le gouvernement agira et traitera ces problèmes de soins de la vue? Quand est-ce qu'ils vont essayer de régler ce problème? La ministre de la Santé? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député de l'opposition pour sa question. En effet, je connais des personnes comme John et Andrea et des centaines, des milliers de personnes de la province qui reposent sur les services de leur optométriste concernant leur vue.
comme des personnes qui ont des cataractes, par exemple, ou d'autres problèmes oculaires. C'est pour cela que nous sommes très déçus que l'Association ontarienne des optométristes ne soit pas ici pour nous, ne soit pas là pour les aider. Nous voulons corriger des problèmes auxquels nous faisons face. Nous voulons corriger les problèmes de l'ancien gouvernement. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration. Nous voulons travailler avec eux, nous voulons les réinviter à notre table, mais aujourd'hui, ils ont refusé de donner leur accord. Nous avons accepté les conditions et les optométristes ne les ont pas acceptées. Nous sommes très anxieux quant à la poursuite de ces discussions. Nous ne pouvons pas négocier lorsque une seule partie est assise à la table. Alors nous invitons les optométristes à revenir à notre table. Nous voulons répondre à vos questions. Nous voulons investir des millions de dollars. Nous voulons vous donner des millions de dollars. Nous les invitons à revenir à la table pour que nous puissions trouver une solution et pour que nous puissions donner une réponse aux contribuables, car nous avons une responsabilité financière. Nous sommes prêts à discuter de ces problèmes. Merci beaucoup. Complémentaire. Pendant des mois, les optométristes ont essayé de contacter le gouvernement pour avoir des conversations concernant les soins de la vue et le gouvernement a dit non. Le gouvernement ainsi que le Premier ministre aime dire non. Le Premier ministre a dit non lorsqu'il s'agit de la protection des travailleurs et des congés payés, maladies payées. Ils ont dit non à la restriction des capacités de classe. Mais aujourd'hui, ils disent le contraire. Je connais une mère d'un enfant de 4 ans qui doit envoyer son enfant faire des examens, mais elle a des maux de tête. Elle essaye de prendre rendez-vous pour des soins de vue de son enfant, mais on lui dit non. Monsieur le Président, quand est-ce que le Premier ministre va commencer à dire oui? Quand est-ce qu'il va dire oui à l'assurance qui couvre les soins de santé, l'assurance de OHIP? Quand est-ce qu'il le fera? La ministre de la Santé, merci. Monsieur le Président, permettez-moi de corriger un renseignement. Le gouvernement finance toujours les soins de santé couverts par l'OHIP, mais c'est les optométristes qui décident de ne pas respecter cela. Les optométristes ont besoin de revenir parler avec nous de ce problème. Nous avons eu de nombreuses discussions pendant des mois concernant cela. Ils ont décidé d'arrêter de fournir ce genre de service. Nous avons demandé à avoir des médiations avec eux, mais les optométristes voulaient que nous soyons d'accord par rapport à leurs conditions, mais on ne peut pas donner notre accord au préalable. Nous avons parlé avec eux et nous avons dit plusieurs fois, nous voulons trouver une solution, nous voulons trouver des solutions pour ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passera aujourd'hui et dans le futur. Nous vous demandons de parler avec l'Association des optométristes de l'Ontario et de leur demander de revenir à la table. Question suivante. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre associé délégué de l'Action pour un gouvernement digital. J'aimerais le féliciter pour ce nouveau poste qui est très important. Notre gouvernement se concentre toujours sur la sécurité, la protection des Ontariens et nous continuerons à le faire même dans cette période de pandémie. Nous allons traverser cette période, arriver au bout. Nous continuerons d'aider les Ontariens et les entreprises et nous allons relancer l'économie. Est-ce que le ministre délégué pourrait expliquer ce que le gouvernement fait pour aider les entreprises à opérer leurs activités? Le ministre associé pour un gouvernement, pour l'action, pour un gouvernement digital. J'aimerais remercier le député de Kitchener pour sa question. Nous avons fait face à plusieurs défis au cours des 18 derniers mois. Ainsi, nous continuerons à faire de même. Nous continuerons à donner tous les efforts pour soutenir tous les Ontariens et les entreprises ontariennes. Monsieur le Président, notre gouvernement donnera des certificats de vaccins et des codes QR gratuitement aux entreprises.
ils pourront les télécharger à partir de l'App Store ou de Google Play sur un téléphone intelligent. Cette application permettra aux entreprises de scanner, de téléverser rapidement ces codes QR et de savoir si une personne est vaccinée ou non pour qu'elle puisse avoir accès à leur établissement. Cette application est la meilleure option pour les entreprises car cela permet de vérifier les vaccins plus facilement et plus rapidement et de façon plus sécuritaire. Je vous remercie. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministère associé pour sa réponse concernant le développement d'outils permettant d'appuyer la santé publique. Notre gouvernement continue d'inviter tous les Ontariens à aller se faire vacciner. Je suis heureux de dire que la preuve de vaccination, cette politique, a permis d'enregistrer des progrès. Plus de 82% des Ontariens admissibles sont entièrement vaccinés aujourd'hui et c'est extraordinaire. Nous continuerons vers la prochaine étape. Ainsi, est-ce que le ministère pourrait expliquer comment ce code QR et cette application fonctionneront? Le ministre associé pour la réponse. Merci, Monsieur le ministre, et merci, chers députés, pour votre réponse. L'application et le code QR permettront de surveiller certains risques et de s'assurer et de garantir la sécurité des entreprises. Cela permettra également de protéger notre progrès. Comme dans beaucoup de provinces, nous avons mis sur place une application et nous prévoyons la lancer à source ouverte. Nous pourrons améliorer tout cela, mais nous voulons souligner que le numérique ne prime pas sur d'autres formats. À partir d'un certain moment, les Ontariens pourront à partir du 22 octobre, les Ontariens pourront utiliser ce code QR. Question suivante, la députée de Toronto Centre. J'ai une question. Dans ma circonscription, beaucoup de parents ont des inquiétudes. Une seule des écoles ont même besoin de 2 millions de dollars. Il faudrait améliorer les systèmes de ventilation dans certaines écoles dans le cadre de ces politiques de protection, de sécurité. Mais ces problèmes ont été ignorés et ce gouvernement refuse de dépenser de l'argent dont nos écoles ont besoin. Les étudiants et les enseignants veulent des actions réelles et on devrait investir au moins 7 millions dedans. La réponse, le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, le président, et merci, chers députés. En effet, nous devons répondre à certains problèmes. Il est important de construire de nouvelles écoles. Et c'est pour ça que nous avons avancé un investissement de milliards de dollars qui seront versés aux écoles. Nous allons offrir des fonds pour construire de nouvelles écoles. Nous allons allouer 14 milliards de dollars dans les 6 prochaines années pour traiter ce problème et pour s'assurer de la protection des enfants. Plus de 7 millions de dollars l'année dernière ont permis d'équiper plus de 10 écoles. $56 millions de dollars permettront de construire de nouvelles zones pour les enfants. Nous allons continuer à investir plus afin de répondre aux besoins des écoles et de leurs élèves. Complémentaire, ma question s'adresse toujours au ministre. Aucun centime n'a été alloué aux écoles de l'Ontario. Annette Carling is a grade 7 and 8 teacher at Winchester, and she told the CBC in an article. Quelqu'un a dit à la CBC que l'état des fenêtres sont horribles, le froid rentre, nous n'arrivons pas à respirer. Ce sont des problèmes importants et ça met à risque la santé dans la plupart du temps, sachant que nous sommes dans une pandémie
et dans une quatrième vague de cette pandémie, il faut assurer la sécurité des étudiants dans leur salle de classe. Et c'est une responsabilité prioritaire. Pourquoi le gouvernement ne travaille-t-il pas afin de réduire les éclosions, de prévenir ces éclosions, surtout pour les écoles à Winchester? Le ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Nous sommes fiers de savoir que les enfants arrivent à apprendre en personne. Nous avons écouté les conseils des experts pour améliorer les états des écoles. Cette école et toutes les écoles ont reçu recevront des allocations pour améliorer leur établissement. Nous savons que nous avons un plan et que celui-ci vise à supprimer toute éclosion dans les écoles. Nous offrons également des trousses d'outils afin de garantir l'ouverture des écoles. En plus de tout cela, nous leur demandons de garder le port du masque et de respecter les mesures de sécurité. Nous allons continuer à investir dans les écoles afin que nous puissions améliorer les conditions d'apprentissage. Question suivante, le député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président, merci. J'ai une question pour le Premier ministre. Donnant des faits, des recherches de parties tiers ont montré que le coût moyen pour obtenir une consultation pour des soins de vie de $75. Les coûts de remboursement dans les autres provinces, ces montants sont plus élevés. Cela veut dire que les optométristes perdent de l'argent pour chaque examen de centre de la vie qui est assuré sous la couverture horrible. Ce n'est pas juste, ce n'est pas durable, que ce soit chez les enfants comme chez les personnes âgées. Ils ont payé le prix. Le gouvernement précédent n'a pas su comment résoudre ce problème et le gouvernement actuel doit régler ce problème afin que les personnes âgées et les enfants puissent recevoir les soins de la vie dont ils ont besoin. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à dire oui aujourd'hui pour les examens de soins de la vie et payer les pleins prix pour l'Ontario? La réponse, ministre de la Santé. Merci pour votre question. Je suis d'accord avec vous que le gouvernement précédent n'a pas répondu à ce problème. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'inquiétudes aujourd'hui concernant une entente. Nous avons fait des paiements. Nous sommes basés sur les mêmes taux que les optométristes avaient. Nous voulons nous asseoir avec eux pour discuter des coûts supplémentaires. Ils nous ont donné des comparaisons, mais elles ne sont pas tout à fait adéquates. Nous ne comparons pas des pommes avec des pommes dans cette situation, mais nous sommes préparés et nous voulons continuer à fonder les services opérés par OHIP qui sont offerts aux enfants et aux personnes âgées. Mais nous voulons nous asseoir à cette table avec les optométristes pour parler des coûts supplémentaires. Complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la ministre, c'est simple. C'est une simple équation. Ce n'est pas une équation à plusieurs inconnus. Cela ajoutera de l'argent concernant les consultations. $30 est perdu à chaque examen. Les optométristes perdent toujours de l'argent pour chaque examen qu'ils donnent. Aucun autre service de santé arrive à s'en sortir en payant leur personnel de leurs proches. Nous n'allons pas couvrir ces frais. Ce n'est pas juste, c'est pas bien. Nous abandonnons les enfants et nos personnes âgées qui ne peuvent pas avoir accès à ces examens de la vie qui représentent des soins de santé. Est-ce que le gouvernement va s'engager à couvrir ces frais dans la province? La ministre de la Santé,
Encore une fois, merci pour cette occasion que vous laissez de corriger les choses qui ont mal été comprises. Les 39 millions de dollars iront dans les comptes des optométrices et ne seront pas payés par la tête. Cela leur permettrait de couvrir les fonds de OHIP pour les services qu'ils offrent durant cette période de temps. Certains optométristes reçoivent plus de 1 000 $. Mais nous ne suggérons pas que ça devrait être le seul moyen de paiement et nous ne disons pas qu'ils devraient payer de leur poche. Mais nous sommes prêts à investir les 39 millions de dollars. 8,8 millions seront donnés pour se mettre d'accord sur un accord. Nous sommes prêts à regarder ces clauses. Nous ne pouvons pas donner un chèque comme ça sans regarder les détails. Merci. Merci beaucoup. La députée de Carleton pour la prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans ma communauté concernant la vaccination et sa réticence. Les Ontariens qui sont nés en 1999 enregistrent des taux de vaccinité faibles. Je sais que le meilleur moyen de nous protéger, de protéger notre communauté, est de faire en sorte que le plus grand nombre d'Ontariens se fassent vacciner. Mais il est clair que notre gouvernement enregistre les taux de vaccination les plus élevés au Canada. Plus de 82 % des Canadiens âgés de plus de 10 ans ont déjà reçu une dose. Nous avons enregistré des progrès incroyables. Mais nous remarquons toujours qu'il y a de la réticence face au vaccin, surtout chez les jeunes. En tant que députée de Carleton, j'aimerais savoir ce que le gouvernement fait pour répondre à ce problème et pour aider les enfants qui aimeraient se faire vacciner, les jeunes qui aimeraient se faire vacciner. La ministre de la Santé, merci à la députée de Carleton pour cette question très importante et pour votre travail que vous faites quotidiennement. Notre gouvernement a eu une des campagnes de vaccination les plus réussies au pays. Nous avons administré plus de 21 millions de doses aujourd'hui, ce qui est un nombre beaucoup plus élevé que les autres provinces. 86 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus recevront une dose. Nous n'avons pas encore fini notre travail. Les personnes non vaccinées ont 7 fois plus de risques de contracter la COVID-19 et d'être asymptomatiques. Et ils ont 16 fois plus de risques de se retrouver aux soins intensifs comparément aux personnes qui sont entièrement vaccinées. À cause de cela, nous continuons notre stratégie du dernier kilomètre afin de répondre aux besoins, ou plutôt afin que les Ontariens puissent recevoir leurs deux doses. Ainsi, la province et le Bureau de santé publique se concentreront sur des zones à risque et sur des mesures telles que des cliniques mobiles. En plus de cela, nous travaillons avec des hôpitaux pour enfants malades et nous les invitons à appeler leurs professionnels de la santé s'ils ont des questions, des hésitations concernant la vaccination. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la réponse que la ministre nous a donnée. Merci pour tout le travail qui a été fourni durant cette pandémie depuis plus d'un an. Monsieur le Président, je sais que mes électeurs et les Ontariens seront ravis de savoir, d'apprendre les initiatives que nous prenons pour rendre des ressources plus accessibles. Nous voulons une stratégie qui est plus axée sur la communauté. À Ottawa, il y a des bus de vaccination mobile qui ont été mis sur place. Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît, la ministre de la Santé, concernant cette stratégie du dernier kilomètre? Merci. La ministre de la Santé. Oui, notre gouvernement travaille avec des bureaux de la santé publique dans des zones cibles pour augmenter les taux de vaccination. Nous voulons soutenir les stratégies de vaccination locales dans toutes les régions. Notre stratégie comprend les cliniques mobiles comme les bus Go. Nous voulons aider les personnes qui ont des familles qui ont des personnes handicapées. Cette fin de semaine, par exemple,
Les cliniques se sont déplacées vers 7 sites, y compris à Mississauga, Midland à la Marina, à Markham et à Keene en Ontario. En plus de cela, ces bus seront stationnés sur les campus de plusieurs universités cette semaine. Monsieur le Président, nous voulons assurer la protection de nos résidents. Alors nous vous encourageons tous, chers Ontariens, à vous rendre à ces sites le plus vite possible. Ma question est pour le premier ministre. Ottawa's light rail transit, our LRT system, is off the rails, speaker. Literally and figuratively. A déraillé au sens figuré et direct. Il y a eu des problèmes au niveau des rails et des wagons. Heureusement, personne n'a été blessé. Cependant, il y a eu des bris de service pendant 3 semaines. Nous ne savons pas si les services vont reprendre bientôt. À l'ordre, s'il vous plaît. La ministre de l'Héritage doit revenir à l'ordre. Le député revient à l'ordre également. Je vous remercie. J'aimerais m'excuser auprès du député. Ce que j'essaie de dire est la chose suivante. Les Ontariens sont en colère. Pourquoi? Parce que ce déraillement est un événement parmi tant d'autres par rapport à ce train léger à Ottawa. Il y a des problèmes dans les tunnels. Ces problèmes ont dû être résolus. Nous ne pouvons pas demander à la ville d'Ottawa de s'occuper de tout. Je demande au Premier ministre si aujourd'hui il va demander au vérificateur général d'investiguer afin de savoir ce qu'il se passe et afin de pouvoir résoudre les problèmes du train léger d'Ottawa. Le ministre des... Le représentant du ministre des Transports. Je comprends qu'il s'agit d'une situation extrêmement frustrante pour les Ottaviens. Nous savons très bien que ces projets existent. Ottawa est responsable des fournisseurs, est responsable de l'approvisionnement. Cependant, nous allons faire notre travail. Nous allons collaborer avec les dirigeants et les responsables. Nous continuerons à régler les problèmes créés par les libéraux qui sont assis de l'autre côté de la Chambre. Nous allons aider les Ottaviens et remettre sur les rails le train à Ottawa. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander à mon collègue de prendre ses responsabilités. Ce gouvernement a signé les contrats. Ce gouvernement a fait en sorte qu'Infrastructure Ontario a signé les contrats. Ce gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît, les députés doivent revenir à l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Reprenons l'horloge. Bon, les libéraux et les conservateurs ont accepté ce projet privé-public. S'il vous plaît, Monsieur le député, faites attention à votre langage. Savez-vous ce que ça veut dire en ce moment? Le public paye le prix de cet échec. Infrastructure Ontario a agi en tant que conseiller et en tant que souscriveur. Ainsi, il faut que le ministère fasse une vérification. Allez-vous vous joindre à moi pour demander à ce que la lumière soit jetée sur ce qu'il s'est passé? Réponse. Délégué du ministre du Transport. Voilà pourquoi, sous notre gouvernement, nous avons promis 8 milliards de dollars dans ce sens. Sachez qu'il s'agit d'un projet municipal. Sachez que l'approvisionnement lié à ce projet incombe à la ville d'Ottawa. Faudrait-il demander
au président et aux députés d'Orléans ce qu'il se passe. Ce gouvernement fait sa part. Ce gouvernement investira dans les publics, dans les transports publics à Ottawa et partout dans la province. The next question, the member for Scarborough-Guildwood. La députée de Scarborough-Guildwood, merci, Monsieur le Président. Pendant la pandémie, ma communauté de Scarborough-Guildwood a constitué une zone chaude de COVID-19. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Ce gouvernement, malheureusement, n'a pas de plan concret et ce manquement a mis à risque des résidents. Dave m'a raconté l'histoire de sa fille et du fait que la taille des classes de sa fille ne cesse d'augmenter, même si techniquement, les enfants doivent se tenir à distance. Aujourd'hui, le rapport l'a bien indiqué. 2 milliards de dollars restent dans les coffres et restent à être dépensés. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire afin de garantir la sécurité dans nos écoles. Pourquoi est-ce que les tailles des classes ne cessent d'augmenter? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tests rapides depuis le début de l'année scolaire? Ces retards accusés par le gouvernement nous coûtent cher. Ensuite, vous ne cessez de changer d'avis par rapport aux tests rapides. Les parents ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y aura des tests rapides pour tous les étudiants et élèves à Scarborough? Et pourquoi est-ce que les parents doivent encore attendre? J'aimerais rappeler aux députés de passer par le président pour faire des commentaires. Réponse, le ministre de l'Éducation. J'aimerais tout d'abord citer. Les parents doivent comprendre que les écoles sont sécuritaires. Nous avons des protocoles excellents en place. Nous avons des tests, des stratégies de tests d'élèves asymptomatiques. Ceci renforcera la confiance. Si nous comparons l'Ontario aux autres provinces, sachez que nos écoles sont ouvertes, elles sont sécuritaires, elles restent ouvertes. Nous allons continuer à consolider une stratégie de dépistage asymptomatique. Si nous comparons l'Ontario à d'autres régions, nous faisons bonne figure. Les experts du groupe d'experts scientifiques s'opposent à un programme de dépistage systématique, mais sont pour un dépistage ciblé. Voilà ce que nous avons dans notre coffre à outils. Question. Pourquoi est-ce que le ministre fait fi du fait qu'un tiers des cas de COVID-19 sont attribuables aux écoles aujourd'hui? Le gouvernement refuse d'obliger les personnes qui se rendent à l'école de se faire vacciner. 25% des étudiants admissibles n'ont toujours pas reçu leur deuxième dose. Nous savons que les enfants entre 5 et 11 ans pourront bientôt recevoir leur vaccin. Malheureusement, comme dans plusieurs régions de la province, nous avons dans notre région des parents qui doivent travailler et ne peuvent pas amener leurs enfants se faire vacciner. Ils n'ont pas le temps. Ma question est la suivante. Allez-vous mettre sur pied un plan et offrir un financement aux écoles afin que les enfants de 5 à 12 ans puissent se faire vacciner de manière efficace et effective, ou allez-vous encore accuser des retards? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'immunisation des citoyens, je pense qu'il ne faut pas rendre la chose politique. Nous devons célébrer le fait que notre province a l'un des taux les plus élevés de vaccination dans la population générale et chez les jeunes. Nous sommes fiers et nous devrions être fiers. Ceci grâce aux parents, grâce aux enseignants. 386 millions de dollars sont investis, plutôt 86 millions de dollars sont investis pour veiller à ce que les classes soient de taille adéquate. Nous avons investi
Dans 2000 projets, 600 millions de dollars pour une meilleure ventilation dans les écoles ontariennes. Malheureusement, plusieurs écoles ontariennes n'ont pas de ventilation adéquate dans les écoles, mais nous sommes en train de pallier ces problèmes. Les pédiatres l'ont dit clairement, voilà une façon intelligente de maintenir la sécurité de nos écoles. Nous voulons ainsi garantir que les écoles restent ouvertes et que les enfants sont en sécurité. Question. La députée de Thunder Bay, Adekoka. La question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, Marion Higgins-Human m'a contactée. Son mari avait un problème médical. Elle a dû appeler plusieurs personnes avant de pouvoir trouver un médecin de famille. Mais je pense que pour une personne qui a un problème de santé important, il est impensable de devoir appeler tant de monde avant de trouver un médecin de famille. Aujourd'hui, des milliers d'Ontariens n'ont pas de médecin de famille. Le gouvernement a eu 3 ans pour régler ce problème. Que fait le gouvernement pour garantir que toute personne qui a besoin d'un médecin ait un médecin de famille? Réponse la ministre de la Santé. Merci pour votre question. Il s'agit effectivement d'un enjeu dans plusieurs régions de l'Ontario, notamment dans le nord de l'Ontario. Nous employons à faire augmenter le nombre de médecins de famille. Il y a des équipes virtuelles dans certaines régions. Il y a par exemple l'unité de triage de Renfrew qui est en ligne. Ainsi, les gens qui n'ont pas de médecin de famille peuvent appeler le service et peuvent être catégoriser et obtenir un rendez-vous en ligne ou en personne. Il y a donc plusieurs modalités, plusieurs avenues qui peuvent être empruntées dans le cas où il manque de médecins de famille dans une région. Grâce aux percées en technologie, nous allons pouvoir utiliser de nouveaux outils dans les régions affectées. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre. Je suis d'accord que la pénurie de médecins dans les régions rurales de l'Ontario ne constitue pas une nouveauté. Nous savons très bien que nous allons avoir besoin de 300 nouveaux médecins très bientôt. Et ceci ne prend même pas en compte les médecins qui prendront leur retraite. La pandémie a exacerbé les problèmes que nous savions existaient. La santé a été sous-financée, il y a des lacunes et les gens sont laissés pour compte. Trop de personnes n'ont pas de médecin de famille et ne peuvent pas trouver de médecin de famille. Malheureusement, les médecins ne prennent pas de nouveaux patients. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser aller. Est-ce que le gouvernement s'engagera à ce que chaque Ontarien qui a besoin d'un médecin de famille ait un médecin de famille? Réponse de la ministre de la Santé. La députée pose une question très importante. Nous sommes à l'affût de ce que l'Ordre des médecins demande. Nous avons entamé une transformation de notre système de santé. Nous voulons veiller à ce que dans chaque région, il y ait des équipes de santé. Ces équipes de santé sont là pour intégrer et relier les soins de santé entre les soins de longue durée, les hôpitaux, les cliniques, etc. Ainsi, chaque patient, chaque personne aura une expérience intégrée tout au long de sa vie dans le système de santé. Nous allons intégrer plus de services afin de combler les lacunes. Ensuite, nous tâchons de nous attaquer aux facteurs sociaux de la santé. Nous passons par des équipes de santé locales. Nous voulons que les agences locales puissent se pencher sur la question. Question. La députée de Cambridge. Ma question est pour le Premier ministre. En juillet, le Premier ministre a promis que nous n'allions pas vivre dans une société à deux vitesses. 8 semaines plus tard, le Premier ministre a annoncé un système de passeport vaccinal, empêchant ainsi des millions d'Ontariens d'accéder à des services payés par le contribuable. Ainsi,
Plusieurs personnes ont également perdu leur travail. Lorsque le ministre a annoncé le passeport, le premier ministre plutôt a indiqué qu'il fallait peut-être appeler la police. Pensez-vous, ou le gouvernement pense-t-il qu'il faut utiliser la police pour faire le suivi? Réponse la solliciteur générale. Depuis le début de cette disposition, lorsque le certificat vaccinal a été proposé, l'objectif était de garantir la sécurité des lieux de travail, des organisations, des installations pour nous et pour nos enfants. Nous voulions ainsi pouvoir nous rassembler petit à petit à l'intérieur. Voilà l'objectif du certificat vaccinal. Nous demandons aux Ontariens de respecter l'élément suivant. Quand une organisation, quand une entreprise demande une preuve vaccinale, il faut présenter cette preuve dans le respect. Il y a tant de personnes qui ont travaillé très fort. Nous sommes à plus de 80 % de vaccination. Voilà pourquoi nous devons entamer ce dernier droit et permettre aux gens d'accéder aux installations et aux organisations de manière sécuritaire. Question complémentaire, Monsieur le Président, le gouvernement a parlé de sécurité et de santé. Ce qui est intéressant, c'est que le passeport vaccinal n'a aucune disposition pour les gens qui ont des tests de COVID négatifs. Les Ontariens, beaucoup d'Ontariens ne veulent pas participer à cette chasse aux sorcières. Je vais vous donner un exemple. Lundi, j'étais la seule députée à entrer dans cette chambre avec un test négatif. Cependant, il y a plusieurs personnes qui voulaient que je sois rejetée de l'enceinte. Mon test démontrait que je n'étais pas atteinte de la COVID. S'il est une question de sécurité et de santé, pourquoi est-ce que les Ontariens ne peuvent pas accéder aux installations, aux organisations en montrant un test négatif comme dans d'autres régions du monde? Réponse le chef du le leader du gouvernement parlementaire. Nous voulions garantir que tout le monde travaille dans un environnement sécuritaire. La vaccination est la façon la plus adéquate de protéger les Ontariens. Les députés du Parlement ont le droit de pénétrer l'enceinte. Nous ne voulions pas retirer des députés ici ce droit. Il s'agit d'un protocole qui a été mis en place par les responsables de l'enceinte. La députée a pu entrer dans l'enceinte en montrant son test négatif. J'aimerais remercier le président de nous permettre d'aller dans ce sens. Il s'agit de la fin de la période de questions. La ministre de la Culture, des Sports et de l'Héritage aimerait ajouter quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui célèbrent leurs 10 ans en poste. Monsieur Manta, le porte-parole de l'autre côté de la Chambre, ainsi que d'autres membres de mon côté, j'aimerais tout simplement saluer et célébrer ces personnes qui célèbrent leurs 10 ans en fonction. En vertu du règlement 101C, des changements ont été faits en ce qui concerne le scrutin du numéro 3, Madame Gélina s'occupe du numéro 16, Monsieur Hatfield du 64. Nous avons terminé. Nous serons en pause jusqu'à 13 heures.